Salut tout le monde, c'est Nightmare, on se retrouve pour l'épisode 8, normalement, si tout se passe bien, sur mon épisode de Legend of Zelda Breath of the Wild. Attendez, j'aimerais bien voir si je dis pas de quoi au niveau de l'épisode. J'en ai pour quelques secondes, vous voyez qu'on est encore dans le château d'Hyrule. J'enchaîne directement la vidéo. 5, 6, 7, 8, normalement on a l'épisode 8. Je verrai ça en montage. Donc on va sortir d'ici. Sortir du château. Parce qu'on a fait, dans l'épisode juste avant, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. J'ai galéré comme pas permis pour avoir ce putain de bouclier. Et donc aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose, et puis ça va être ça pendant quelques encore des épisodes. J'aimerais farm les sanctuaires. J'aimerais les farm, dire de choper au moins 2 cœurs. Et un endurance. Donc c'est à dire qu'il va falloir que je fasse 12 sanctuaires dans les prochaines vidéos qui vont venir. Donc pour éviter de trop me spoil, je vais me barrer vite fait de cette zone. Là-bas il y a une tour, je sais. On va aller ici. Et on va essayer de faire le plus de sanctuaires possible, au moins dans cette vidéo, avoir de l'endurance. Ça va être ce que je vise en premier. Parce qu'au pire des cas, je sais que pour avoir la Master Sword, il faut 13 cœurs. Je vais pas me choper les 13 cœurs d'affilée, mais en tout cas, je vais faire autant de sanctuaires qu'il le faut pour avoir les 13 cœurs. Mais je vais prendre de l'endurance entre deux. Et l'endurance, je vais l'échanger à une statue qui va me l'échanger contre des cœurs. Aller chercher la Master Sword et revenir chercher de l'endu. Donc, ça va être ça. À mon avis, on va pas faire ça trop... On va faire peut-être 2-3 épisodes où on va farm des sanctuaires. Et où est la balise? Elle est censée être à ma gauche. Ok, c'est une jaune, c'est ça? C'est une jaune. On va aller farmer les sanctuaires. Putain, le bouclier est tellement classe. Et ensuite, on va se taper un petit peu de quête principale. On va éviter la secondaire. Je crois qu'il faut que j'aille au village d'Elemeth. Dans ma quête principale. Journal. Voilà, il faut dans la dans un ou deux épisodes, on ira voir la personne au village d'Elemeth. Et pour l'instant, on va se taper des sanctuaires parce que vraiment, ce jeu est très très chaud. Et même pour faire de l'exploration, on apporte, j'aimerais vraiment avoir au moins 2 cœurs de plus et une barre d'endurance. Et on va se diriger vers le donjon, donc je vais faire les amiibo ici. Il y a un vendeur juste là, putain, j'ai pas fait gaffe à l'endurance. On va pas s'occuper du vendeur. On va s'occuper plutôt des amiibo, ce serait une bonne idée. Donc on va le faire ici. Ici, voilà, on peut le faire ici. Bon, je vais utiliser le premier amiibo. C'est le Link à cheval. C'est ici, je crois. Voilà, c'est ici. Voilà, donc on récupère. Par contre, j'ai juste l'amiibo de ma copine. Non, je vais le laisser là-bas. Parce que moi, je fais les collections d'amiibo Zelda. Elle commence à faire la collection des amiibo Mario. Oh, putain, c'est juste pour se taper des épées comme ça, les gars. Ça craint un peu. Bon, j'ai pas de place dans l'inventaire. Je vais niquer une arme sur sa gueule. Je sais que c'est Powers parce que je vais gagner une arme à 14. C'était pas grave du tout parce que lui j'ai pas réussi à l'abattre. Mais bon. Et je sais que les amiibo autres que Zelda, ça donne du stuff mais niveau bouffe. Donc là je dis amiibo Link Cartoon. Une truite piment. Bah oui, en même temps. Le Link de Wind Waker, elle allait pas me donner de la viande. Voilà. Oh, par contre, l'amiibo là-bas, il me... Oh, j'ai oublié l'amiibo Link Ocarina of Time. Je me disais, mec, j'ai oublié un amiibo. 5 flèches électriques, d'accord. Et ben là, je vais utiliser le gardien, qui est le plus chiant au niveau stuff. Bon, on va se plaindre. Déjà qu'ils ont réussi à inclure ça pour les amiibo. Parce que de les amiibo, les gars, dans Smash Bros. Parce que je viens de recevoir Smash Bros sur Wii U, donc
Je sais pas si ça intéresserait une vidéo là-dessus. Je compte peut-être en faire une parce que en fait, je découvre Smash Bros. Ça fait des années que je voulais y jouer. Je me suis acheté une Wii U il y a pas longtemps. Bah, à la sortie Twilight Princess HD, je me suis racheté une Wii U. Avec Wind Waker, Twilight Princess. Un ou deux Mario pour ma copine. Et c'est tout. Et je voulais racheter Smash Bros et je le trouvais trop cher pour son prix. Donc là on va utiliser Link Archer. Je le trouvais beaucoup trop cher pour son prix et là je l'ai trouvé à 28€ avec l'édition spéciale avec l'amiibo Mario dedans. Bah, je vais sauter sur le cas. Hein. Et du coup je peux enfin y jouer. Des flèches de glace, d'accord. Bon je vais chercher l'amiibo de Link. Je reviens tout de suite. Voilà, je le fais. Vas-y. Merde. C'est pas le bon. Voilà. Donc, je remets mon casque, si vous me permettez. J'ai pas envie de couper ça en montage, hein, parce que ça fait partie du moment où je fais les amiibo in-game. Donc, lui m'a donné quasiment que de la viande. Ok, on est cool. Et il m'a donné quoi? Une flèche explosive. D'accord. Pas de problème, bon, on va se taper ce sanctuaire. On va se taper celui-là d'abord, même s'il est plus chiant à voir. Je sais que j'ai l'amiibo Link Smash Bros et j'ai l'amiibo Link Lou. Mais Link Lou, à ce qui paraît, si on finit Twilight Princess, ou en tout cas qu'on améliore vachement le Lou dans Twilight Princess, on peut avoir plus de cœur dans le Zelda Switch. Donc, Twilight Princess sur Wii U. Je crois que je suis à la quête du miroir des ombres. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, je suis vraiment pas loin de la fin. Donc, j'ai sûrement de l'améliorer. Avant de l'utiliser sur The Breath of the Wild. Oh putain, j'y arriverai pas. Je vais pas arriver à la rive. Attends. Bon. What? N'abîme pas mes fleurs. Ta gueule. J'ai planté. Fais pas attention. Je fais ce que je veux, non? Ah, ok, ouais, d'accord. Ça va l'air d'être un faux labyrinthe, quoi. Non. Après. Oh putain. Après, je testerai de voir ce que ça fait si je marche tout le temps sur ces fleurs. Ok, par là. Oh, il y a une arme là. Ah, c'est traître. Oh, c'est juste une fourche, on s'en fout. Je vais d'abord faire le sanctuaire. Les jolis, on s'en bat les couilles. Oh là, il y a l'air d'y avoir une fleur, hein, donc on ira voir après. Oh, damn it. Ok, on y est. Au bout de 10 minutes. Super. La boisson est froide avec toutes ces conneries. Pas sur les fleurs terminées. Ah d'accord, c'est ça la quête. Ok. On passe tout ça, j'avais oublié. On passe tout ça. Suivre les flots. Ok, donc à mon avis, il va falloir que je dise ça. Est-ce que ça le bloque? Ok, ça le bloque. Bon, j'aurais pu utiliser ça, mais bon. Ça, c'était plus rapide. Ok. Ah, des spéciales à récupérer. Ici. Il y a un coffre à récupérer. Donc.
Ok, c'est pas possible de la récupérer comme ça. Tu parles d'un connard. Hein. C'est bon, ne bouge plus. Voilà. Flèche de glace, super. Bon bah distance. C'est bon. C'est tout. C'est que... Ouais, c'est vraiment des problèmes là quoi. Je souligne. Voilà, premier sanctuaire terminé, j'ai mis 2 minutes dans le sanctuaire. 11 minutes à y aller, 2 minutes à le parcourir. Ok, donc on a 3 emblèmes. On va aller se taper l'autre. Du coup, ça m'a libéré 2 balises. Ce sera beaucoup plus facile maintenant. Voilà, bon, ensuite. Oh merde. Ta gueule avec tes fleurs. Ouais, j'ai envie d'essayer de voir ce que ça fait. Des êtres vivants dans mes fesses, ouais. Oh. Je te l'ai répété. Maintes et maintes fois. Et pourquoi tu... Alors pourquoi tu veux pas comprendre hein? J'en ai assez. Ah de la Super Saiyan mon gars. J'ai passé des jours à planter et toi tu piétines encore et encore. Elle s'est suicidée mon gars. Tu vas connaître. Le courroux des fleurs. Ça y est, c'est Ganon mon gars. On va se fight contre Ganon, le Ganon des fleurs. Non, ça marche pas comme ça. What? T'as m'envoyé des cœurs? Mais pour qui toi? Je peux pas la tuer. Je me tape ce sanctuaire là, je lui parle et après je sais pas ce qu'on va faire les amis. Mais bon. Wago Kata. Allez, voilà. Par contre, quel sanctuaire je vais pouvoir me taper après parce que je crois qu'ils sont hyper loin les autres. Passerelle de fer. Ok. Bon, j'ai cherché le coffre déjà. Voilà. Ombre brute. Ouais, ça sert à rien. Donc là, ça va être un... falloir aller là-bas. Ok, super simple. Par contre, est-ce qu'on peut... Ah! Ok, d'accord. Ouais, non, je peux pas. Ok. Donc, on va faire ça comme ça. On va perdre un peu de temps, c'est pas grave. On va faire ça proprement. Ouais. Ok. Bon, c'est pas si propre que ça, mais c'est pas grave. Maintenant, on prend ça. Et on arrive là-bas. On prend ça et on arrive là-bas. Ok, pas si simple. Donc ça, on vire ça.
on essaye de prendre, on essaye de prendre ça, de dégager. On prend ça. Tant pis. Ok, donc faut que ça soit là à peu près. Oh mais non! Putain, j'ai oublié que le jeu avait un moteur physique. Oh, merde. Bon là par contre je vais faire de manière dégueulasse. Ouais. Et là je veux que ça, je vais le prendre comme ça. Et là je veux que ça, ça parte d'ici. Oh je suis un génie. Voilà. Oh j'ai cru que j'étais bloqué. C'est bon meuf là, j'ai foutu un peu le bordel dans le sanctuaire mais bon c'est pas grave. Allez, on est pressé, on n'a pas le temps. Voilà, quatrième. Donc notre endurance est déjà gagnée. Maintenant, il m'en refaut 4. Et je sais pas du tout où aller les chercher. Ok, donc on va aller parler à lui. Ouais. Ouais, mais de toute façon, la forêt Korogu, je sais aussi, vu qu'il va falloir que j'aille chercher la Master Sword. On va prendre une arme en plus, s'il te plaît. Pas de problème. On va prendre celui des arcs maintenant. Ok, je peux encore récupérer 3 arcs, c'est bien. Celui des armes. Ok, mais c'est pile ce que j'ai. Voilà. C'est bon. On est bon. Donc là, il faudrait que j'aille chercher où du coup. Ok, donc il y a un sanctuaire ici. Et là, on doit en avoir un là. Donc ça m'en ferait 3 sur 4. Non, je peux avoir les 4 sanctuaires, d'accord. On va se téléporter ici. A mon avis, je ferai pas les 4 sanctuaires dans cette vidéo, mais je pense en faire au moins 2 ici, et j'en referai 2 dans l'épisode, dans le prochain épisode où on ira Elemeth. Parce qu'il y a là, il y aura juste à côté mon objectif. Donc ce qui serait juste parfait, c'est qu'à Elemeth, on ait une statuette pour nous faire, pour exaucer nos vœux. Donc là, on doit aller où? Je dois aller au niveau de la violette. Ok, bah allons vers la violette. Oh non, leur vloel. Oh merde. Ok, dégage. Oh mais on a juste là, bah non, le vloel sanctuaire.
quel est le sanctuaire que j'ai vu par là-bas? J'en ai donc pas vu, donc j'ai rêvé. D'accord. J'ai cru voir un autre sanctuaire, mais non, j'y suis déjà. Ok, donc on est parti. Pour le sanctuaire de je ne sais pas qui. Bah, je peux passer ces cinématiques là, mais comme à quand je la regarde. Allez, hop, on y va. A mon avis, les amis, on va se laisser là. Ouais, dès la fin de Sanctuaire, on va se laisser là parce que l'épisode commence à durer un peu long pour moi. On va vraiment qu'on aura un sanctuaire juste à côté de nous. Ce qui m'étonnerait. Ou alors qu'on a un sanctuaire vraiment proche, mais ça m'étonnerait. Bouclier d'eau. What? J'aime pas la flotte donc ça va pas le faire. Hop. Ouais. Monte. Voilà. Ok, il y a un méchant pas beau ici. Tu meurs s'il te plaît. Il y a rien dans l'eau. Donc celui-là, il faut que je récupère moi-même. Hop. Ah, c'est bon. Hop, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un cœur antique, je ne sais pas ce que c'est. Vis, vis, vis. Ok, d'accord. Et là, je suis baisé, c'est ça? Ouais, je suis totalement baisé. Enfin, que je range que là-bas. Super, on kiffe. Voilà. Voilà, il est quota. Il est quota. Bon, là, on a deux petits cons. Toi, tu meurs. Et toi, tu meurs. Ok, bah d'accord. Tu veux, donc ça à mon avis je dois le lever comme ça. Non, 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 mais Link tourne. D'accord, il veut pas. Oh putain, il y a le vide ici, il y a le vide et je peux pas nager contre courant. Mais Link, ta mère. Je suis maudit, putain. On va aller en traditionnel. Si tu veux bien. Hop là, tu rentres, tu fais pas chier, merci. Pour une épée de chevalier en plus. Et j'ai pas de place. On va lancer un ça. J'ai cru que j'allais casser mon truc, j'étais pas bien. Donc attends, tu prends l'épée. Voilà. Mais tu te fous de ma gueule. Hein. Hop. Hop. Hop, et là je suppose qu'il faut. Voilà. C'est bon, on a compris, il va me donner un truc. Voilà, c'est bon, encore un emblème. Ça va, c'est pas si compliqué que ça. Bon, ensuite il y aurait quoi? Comme sanctuaire que je pourrais faire. Alors... J'aurais lui là-bas... Est-ce que je peux me téléporter ici? Je peux rien faire, donc c'est mort. Il y aurait celui-là, mais je sais plus, je sais pas si c'est bon. On va se téléporter juste ici. Bon, apparemment, il y en aurait juste à côté. S'il est vraiment juste à côté, on va se le taper alors. Généralement, ce que je mets en avec une étoile, c'est des sanctuaires. Donc, est-ce que c'en est un? J'en ai aucune idée. Je pense que oui.
Il est où? Ouais, il est là. Super. Donc ouais, lui, je peux y aller. Donc on va se taper celui-là et on va se laisser là. Oh putain, il y en a encore un là-bas. Oh, c'est beau par ici, hein. Putain. Ok, il est là le sanctuaire. Ne parle pas le Zora. Je t'ai vu te retourner. Ta gueule. Voilà, comment est-ce qu'il va un Zora en deux étapes? Ok. Épreuve basique de force. D'accord. Ok, ça va être juste un combat entre hommes. Entre hommes et machines. Ok. Par contre, laisse-moi changer de bouclier, s'il te plaît. Vas-y, maintenant tu peux m'attaquer. Il fait quoi? Wow! Oh ouais, il fait quoi? Il fait quoi? Voilà, donne-moi tes armes en plus. Allez, bouclier de gardien. Et... Ah, j'ai pas assez de place dans les boucliers. Ferme ta gueule. J'ai tellement de boucliers de merde. Bouclier, bouclier. Celui-là, il dégage, hein. Écoute. Bouclier de gardien. Un petit glaive. Celui-là, il fait 20. Donc, dans le bénéfice du doute, hein. On va virer ça. Donc, le glaive. On prend les ressorts et on se casse. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Arc de chevalier ou 26. Ah, c'est bon ça, j'ai bien fait d'améliorer mon truc avec les noix Korogu. Et hop, encore un emblème. Donc on est bon, là encore deux sanctuaires et j'ai un cœur plus un endurance. C'est bon ça. Emblème de triomphe, voilà. Ah, c'est bien ça. J'aime. En parlant de ça, pendant le chargement, j'ai réfléchi. Non, rien. Je pensais avoir encore un truc à faire, mais non. Je sais que j'ai des quêtes à faire ici. Le prochain épisode, on va au village d'Elemis. On se fait les deux sanctuaires, on se fait le village, on fouille un petit peu. Et dans un autre épisode, on reviendra refaire Cocorico. Voilà, on va prendre l'endurance directement. Oh, ça fait tellement du bien. Super. C'est tout? Oh putain, je pensais au moins avoir la moitié quoi. Bah d'accord, ça m'a remis juste 2 secondes de plus quoi. Bah d'accord, super. Bon, on va aller voir, ouais, au niveau des avis, ils ont pas du nouveau. Ils ont toujours la tenue super chère, ouais. Et la tunique. Bon, et bah les amis, on va se remettre notre petit bouclier d'Ilia. Voilà, on est... Enfin...
la prochaine fois, on ira, comme je l'ai dit, au village. Et on ira faire des quêtes secondaires. Un max de quêtes secondaires avec des sanctuaires. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais aller choper du champignon enduro en dessous de la maison d'Impa. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y a eu beaucoup moins d'action que la dernière fois et de fail. Mais en tout cas, vous inquiétez pas. Dans la prochaine fois, on aura un petit peu plus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, si mon travail vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout le monde.